Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une vidéo un peu particulière aujourd'hui parce que tout simplement c'est l'anniversaire de la chaîne. Donc pour cette occasion, moi tout simplement j'ai modifié un peu la bannière, donc j'ai ajouté un petit gâteau Minecraft avec une bougie, vous voyez. Et j'ai amélioré ici en ajoutant un petit screen en gros de la survie Minecraft, parce que c'est quand même la série phare de la chaîne, hein, c'est le fil rouge depuis le début. Bon, Memoria va être vraiment le fil rouge sur le long terme, mais Memoria en ce moment je travaille pas trop dessus parce que j'arrive pas à trouver du temps. Donc aujourd'hui il devait y avoir un épisode de la série Minecraft, mais il sera pas sorti parce que cette semaine j'ai travaillé un peu pour refaire ma vidéo de présentation de la chaîne, parce que cette vidéo de présentation là, au jour d'aujourd'hui, elle ne me convient plus. Quand je l'ai faite à l'époque, j'étais super contente parce que c'était ma première vidéo et tout, j'avais jamais fait de vidéo avant, donc voilà, il y avait un petit côté satisfaisant quoi, on va dire. Mais aujourd'hui elle me déplaît, donc je suis en train de travailler dessus pour la refaire, donc j'ai le contenu en gros de fond, on va dire. J'ai beaucoup de montage à faire pour que ce contenu de fond soit bien, et ensuite comment je vais présenter la chaîne, etc. Parce que quand même, voilà, faut se dire que la chaîne c'est beaucoup du Minecraft, hein. Ça vous le savez, c'est mon domaine, c'est pas pour rien que ici on voit le petit carré Minecraft, hein. Ici le petit clavier parce que automatiquement je fais du gaming. Et la petite télé c'est tout simplement parce qu'au départ sur la chaîne je voulais beaucoup parler de séries, de films, etc. Et c'est un domaine que j'ai pas encore trop abordé. Donc dans l'avenir ça viendra sûrement, je pense. Mais au jour d'aujourd'hui voilà, je me maintiens sur 3 vidéos par semaine. J'essaye de, voilà, de m'y maintenir et de m'y résoudre. Mais cette semaine j'avoue que j'ai pas eu trop... la foi, on va dire, voilà, de faire la vidéo Minecraft. J'avais des choses en tête, donc j'avais d'autres choses à régler, on va dire. Donc voilà. Mais j'ai travaillé également sur les miniatures des playlists, parce que j'ai parlé avec Myth, et Myth m'a dit, ouais, mais en fait, toutes tes vidéos, elles ont pas une image propre, en gros, à elles-mêmes. Donc du coup, je lui ai dit, ouais, et tout. Au début, je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire et tout, et après, en y réfléchissant, je me suis dit, c'est vrai, j'utilise souvent la même écriture, parce que je l'aime bien, en fait. Il faut que donner une image à une série, vous voyez, il faut qu'elle ait sa propre image, et que, voilà, ça la reflète. Donc du coup, j'ai travaillé un peu sur les minias. Et voilà, donc j'ai modifié, vous voyez par exemple la bannière là, c'est au départ sur ma bannière, on voyait que ça en gros. Là j'ai ajouté ça sur les côtés et là j'ai mis Minecraft et de l'herbe en bas, parce que tout simplement pour ceux qui des fois regardent sur des écrans, des télés ou des grands écrans, ça faisait juste tout marron quoi, on va dire. Donc pour moi c'était pas assez beau, donc du coup j'ai essayé d'embellir les choses et tout. Donc je suis pas une pro, vous voyez, au niveau de l'image, etc. Mais j'essaye de m'améliorer, et avec les conseils de Myth j'essaye de travailler et dans mon esprit de réfléchir, etc. Donc voilà. Voilà, il y a des miniatures, voilà, pour chaque série. Donc voilà, l'aventure modée par exemple, au niveau du skin, je l'ai modifié. J'ai mis une petite épée avec une petite torche, parce que voilà, enfin, c'est une survie quoi. Donc voilà, on se fight contre des mobs, on explore des cavernes, etc. Vous voyez. Là au niveau de Twitch, en ce moment j'en fais plus, mais quand j'en referai, voilà, c'est important qu'il y ait une image Twitch. Donc j'ai fait comme si on avait un effet de caméra en gros, avec le logo Twitch tout simplement. Donc l'aventure Spy God, j'ai fait un truc simple et efficace. Je trouvais qu'en vrai avec des teintes de bleu ça ressortait bien avec du gris. Donc après c'est les goûts, les couleurs, les amis. Voilà, le Hello News pareil, j'ai fait un petit cadre de caméra, j'ai marqué à quoi ça correspondait en dessous. J'ai mis un critère, une image, une calligraphie qui lui était propre. Memoria qui est, voilà, comme je vous ai dit, ce sera le fil rouge. Donc j'essaye de travailler dessus mais c'est compliqué. Donc en gros c'est un biome égale à un thème, un style de build. Donc j'essaie de m'y maintenir. Pour le moment il y a eu 3 vidéos dessus, mais ça reviendra. Donc la série phare bien sûr, Minecraft Survivania, donc dont j'ai modifié l'écriture. Donc maintenant le titre des épisodes sera comme ça à peu près. Donc ça ressort plus avec ce qui est au-dessus au niveau du Minecraft qui est en grand. Donc avec mon skin que j'adore de cette façon. Dont Myth m'a dit, il faut que tu t'en sépares, il faut que tu en fasses plein des skins. Donc je l'ai écouté et voilà ce qui en est ressorti. Donc la série tuto qui reviendra un jour. Donc là pour le moment on a fait tout ce qui est un peu style médiéval. Donc dans le futur ça viendra avec autre chose. Donc j'ai gardé mon skin bien évidemment, mon petit casque de chantier avec ma petite hache. Voilà, rien de foulichon. Donc le décolody, j'ai essayé d'améliorer un peu la calligraphie vraiment. Et j'ai mis mon petit skin comme ça, que c'est Myth qui m'a fait, donc d'ailleurs merci à lui. Et voilà, le principe de l'émission, c'est une émission déco, donc... et dans chaque émission, on voit un thème différent au niveau de la décoration. Donc les épisodes sont plus ou moins longs, donc voilà, j'ai rien de plus à en dire. Ensuite, Resident Evil 0, ça va revenir bientôt.
Dès que j'aurai l'occasion, j'ai commencé à le recommencer le jeu. Mais j'attends, parce que je veux pas trop vous mettre de let's play différents. Je veux vraiment que Minecraft reste le truc phare sur la chaîne et que les autres trucs n'empiètent pas dessus, quoi. Donc Resident Evil 1, qui a été mon premier let's play de la noobitude, je l'ai appelé, parce que clairement, c'est tout à fait ça. Je ne suis pas bonne dans le gaming, les amis, ça c'est un fait, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc Beast Farm Simulator, qui est mon jeu préféré sur Roblox. Donc voilà, j'ai fait du Matiti, j'ai fait du Roblox. Skyblock, j'ai fait des plein de tests de jeux Roblox, donc voilà, j'ai fait des miniatures qui étaient propres à chacune de ces séries. Donc là, voilà, série et film, parlons-en, j'avais fait deux vidéos dessus où je mettais mon top 10 séries en gros et je vous expliquais pourquoi j'aimais ces séries, où je résumais un peu ces séries, tout ça. Mais c'était plus dans un esprit diaporama, on va dire, que j'ai fait ça. Donc j'aimerais vraiment que dans le futur, continuer à faire des vidéos de ce style, mais travailler autrement. Et apprendre différentes techniques de montage pour pouvoir justement mettre en place les idées que j'aimerais faire. Donc Stardew Valley qui va rester sur la chaîne un bout de temps. Du coup je me suis fait mon petit skin avec son petit râteau, son petit chapeau et tout. Voilà, en mode fermière. J'ai trouvé ça plutôt amusant de le faire. Donc avec cette écriture que j'ai piquée sur internet. Donc qui correspond à l'écriture un peu de Stardew Valley. D'après eux, d'après le truc que j'ai trouvé. Donc je trouve que ça ressort assez bien. Donc après vous me direz ce que vous en dites. Et au niveau des vidéos diverses, bah en gros c'est à chaque fois que je fais une vidéo qui ne sera pas une vidéo avec une série derrière. Bah je la fous dans ce dossier. Donc voilà, là j'ai mis par exemple le ressource pack que j'ai fait dernièrement et la vidéo Joyeux Noël, parce que c'est pour moi c'est un truc dont j'ai été fière de vous présenter en décembre. C'était cette vidéo parce que j'ai mis un mois à travailler dessus et j'ai vraiment essayé de faire un univers de Noël, un univers comme si on avait un pôle Nord qui existait et tout. Donc c'était vraiment quelque chose d'enfantin. Donc voilà un peu ce que j'ai travaillé cette semaine les amis. Donc voilà, je vous ai expliqué voilà un peu sur quoi j'ai travaillé. J'ai pas eu l'occasion voilà, de faire davantage de choses, mais il faut savoir que voilà, je travaille quand même sur mes épisodes, même si la vidéo elle sort pas. Voilà, le contenu commence à être travaillé, mais la vidéo n'est pas prête, donc bah, je ne la sors pas. Et voilà, quoi, c'est tout. Je préfère vous sortir des vidéos où bah, le contenu que je veux y mettre soit bien et m'améliorer au fur et à mesure des épisodes, parce que le but c'est vraiment d'améliorer le montage et tout ce que je vous présente. Et voilà, c'est ça mon but en gros. C'est qu'en gros c'est comme le vin, avec le temps la chaîne va se bonifier quoi en gros. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo blabla, donc j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Moi j'aime ça aussi, vous parler, vous dire voilà où j'en suis sur la chaîne et tout. Donc voilà, en 15 jours on a gagné 26 abonnés de plus, donc bah merci à ceux qui ont rejoint. Vous êtes de plus en plus nombreux, et même au niveau des vidéos, vous êtes de plus en plus nombreux à les regarder, il y a plus de retours, etc. Et vraiment, ça me fait infiniment plaisir de voir que le travail que je peux faire, bah, vous plaît tout simplement. Donc voilà, la chaîne a un an, donc je suis plutôt contente. Ça fait un an que bah, la chaîne, bah, c'est un plaisir de la voir, que je prends du plaisir à faire des vidéos, et voilà quoi, enfin, merci à vous tous, quoi, tout simplement, c'est ça que je veux vous dire, c'est merci infiniment. Donc, bah, je vous retrouve lundi pour du Stardew Valley. Et voilà, après, il y aura d'autres vidéos dans la semaine. Je vous laisse là pour la vidéo. Et je vous fais des bisous. Et à plus tard. Bye bye tout le monde.